Voilà, voici le thème d'information de mon direct de ce dimanche, je crois que nous sommes le 12 juin 2021, chers Côte-Guinéens. Alors, le thème d'information, nous avons le premier point, je vais parler donc de Thibaut Camara qui rationalise son tragique parcours politique. Il dit, je cite, « Je suis le cours normal de mon destin, c'est Dieu qui trace pour chacun le chemin, en fait, et la voie. » Fin de citation. Alors ensuite, deuxième point, je parlerai également de Tchangel, Sole Tchangel, cet homme de la cellule de communication de l'UFDG, la première formation politique de l'opposition guinéenne. Tchangel, donc, est rentré tout récemment donc à Conakry. Tchangel serait-il, en fait, la nouvelle télécommande de Alpha Condé, télécommande politique pour détruire l'UFDG, cher Comte-Guinéen. Très bien. Alors, bon, voilà, ce sera, donc, pour, effectivement, commencer, cher Comte-Guinéen, en guise d'introduction, nous savons tous que, en fait, Omar Sylla, Fonikye Manguel, vient d'être, donc, condamné par la dictature, disons, de Alpha Condé. Et c'est clair, c'est regrettable, c'est vrai. Mais écoutez, comme j'ai toujours d'ailleurs, j'ai écrit en voyant les gestes de Omar Sylla Fonikye Manguel, en fait, des gestes franchement difficiles à regarder. Moi personnellement, très difficile donc de tenir, de regarder Omar Sylla les mains levées sans franchement pleurer. Sans avoir les larmes aux yeux, c'est clair et net. Je ne pleure pas parce que, en fait, bon voilà, cet homme est en prison, mais je pleure ou j'ai les larmes aux yeux, c'est-à-dire quand je pense, et voilà qu'on le prive de sa liberté, défendant, en fait, dans son combat, disons, la vérité, seulement la vérité. Pour cela, il est privé, tout simplement, de sa liberté, chers Côte-Guinéens. Alors, Omar Sylla doit retenir que nous sommes là, nous le défendons, parce que nous sommes tous convaincus que le pouvoir d'Alpha Condé, c'est la fin. C'est la fin, chers Côte-Guinéens. Vous serez tous, en fait, libérés. Tous ceux qui sont actuellement en prison, qui sont des prisonniers politiques, vous serez libérés. Et là, je dis bien, dans un futur très proche, parce que Alpha Condé, nous le savons tous, en fait, avec tout ce qui se passe actuellement, des signes que ça ne va plus, les signes marquant le déclin, en fait, d'un système dictatorial, en fait, ethnocentré, chers Côte-Guinéens. Très bien. Alors, voilà. Donc, pour mon thème d'aujourd'hui, je vais parler de Thibaut Camara. Thibaut Camara, je dis bien, il rationalise son tragique parcours politique, c'est vrai. En fait, avec, quand je dis rationaliser, je l'avais dit l'autre fois, rationaliser, en fait, un problème, rationaliser une situation difficile dans laquelle nous nous trouvons, rationaliser quelque chose qui nous perturbe, qui nous fatigue, n'est-ce pas, qui nous fait souffrir. Alors, il est question de trouver comme un calmant, n'est-ce pas, pour minimiser le sérieux problème dans lequel nous nous trouvons. N'est-ce pas, vous êtes dans une situation vraiment difficile, que ce soit une situation familiale, ou financière, etc. Mais vous rationalisez, c'est-à-dire vous vous dites, bon écoutez, ce n'est pas quand même grave, ce n'est pas la fin du monde. Écoutez, je ne suis pas le seul dans cette situation. N'est-ce pas? Ou bien, écoutez, c'est mon destin. Dieu a voulu que cela se passe ainsi. On appelle ça rationaliser. Et c'est ce que Thibaut Camara tente de faire. Maintenant, Thibaut Camara sait que depuis l'ancien compte jusqu'à maintenant, son parcours politique est totalement tragique. Et il le sait maintenant d'ailleurs qu'il est beaucoup critiqué. Et surtout maintenant qu'il a abandonné la timidité parce qu'à un moment donné, il y a longtemps qu'il est avec Alpha Condé, mais on ne l'entendait pas tellement parce que il y avait encore la timidité. Il sait que vouloir lever la voix, dire bon, ceci, alors il savait les jugements qui pourraient tomber sur lui, n'est-ce pas? C'est-à-dire, il trahit sa voix. Alors, c'est pourquoi à un moment donné, il est resté quand même très timide, n'est-ce pas? C'est juste avec cette affaire de troisième mandat, référendum, c'est comme si quelque part on lui avait dit, les gens du RPG ou Alpha Condé lui auraient dit, mais écoutez, soit vous êtes là, ou vous faites quelque chose, vous n'êtes pas là, alors vous dégagez. Et finalement, il a laissé la timidité, et voilà, la voix maintenant qui se lève du côté de Thibaut Camara. Et voilà, cher Comte-Guinéen. Alors, Thibaut Camara, je dis bien, il rationalise son tragique parcours politique. Oui, en disant ceci, je suis le cours normal de mon destin, c'est Dieu qui trace pour chacun le chemin et la voie. Et là, il a prononcé cette phrase, cependant, en fait, disons, à l'occasion de la clôture du Salon des entrepreneurs de Guinée.
hein, ce jeudi 10 juin 2021. N'est-ce pas? Donc, il en a profité parce que des questions lui ont été posées. Une question lui a été posée dans la foulée. Alors, la question était la suivante. Monsieur Thibaut Camara, monsieur le ministre, pourquoi vous vous retrouvez, disons, chaque fois dans un gouvernement? N'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il est, chaque fois, il est dans un gouvernement. N'est-ce pas la question qui a été posée? Et Thibaut Camara qui répond par cette citation: « Je suis le cours normal de mon destin. C'est Dieu qui trace en fait le chemin et en fait la voie pour chacun. » N'est-ce pas? Fin de citation. Voilà, cher Comte Guinéen. Et là, il va ajouter, il va jusqu'à dire « Oui, écoutez, je suis dans chaque gouvernement, d'abord parce qu'il y a une question de chance, n'est-ce pas ?» Et dire aussi « Mais écoutez, c'est une opportunité pour moi également d'aider mon pays, n'est-ce pas ?» Alors que d'ailleurs, c'est avec fierté qu'il accomplit ses devoirs pour son pays, devoirs patriotiques, n'est-ce pas? Et là, il s'arrête pas là, il va jusqu'à dire « Bon, écoutez, Alpha Condé, écoutez, il y a trois catégories de personnes. Trois catégories de personnes, il est en train de philosopher, il y a trois catégories de personnes. Il y a une catégorie de personnes qui, en fait, des personnes qui sont dans l'actualité, hein, une autre catégorie de personnes qui sont ces personnes qui sont dans l'histoire pour toujours, et la dernière catégorie, la troisième, des personnes qui sont dans l'actualité et dans l'histoire. Et là, il ajoute, Alpha Condé est dans l'histoire pour toujours. Cela ne nous étonne pas, n'est-ce pas? Et il doit dire ça à Alpha Condé, sinon, bon, il sera sanctionné. Hein? Il est là pour ça, c'est un griot, il est payé pour ça, il est récompensé pour ça, il doit le dire. S'il ne le dit pas, je dis bien, voilà, il est cherché, n'est-ce pas? Donc, ça ne nous étonne pas que Thibaut Camara dit qu'Alpha Condé est dans l'histoire pour toujours, cher Comte Guinéen. Alors, je vais essayer d'analyser ce point-là, n'est-ce pas? Je vais analyser ce point, c'est-à-dire la première partie où Thibaut Camara rationalise sa situation politique, son parcours tragique, je dirais ainsi, mais c'est tragique, c'est un monsieur de l'ancien accord jusqu'à maintenant, c'est du mensonge, supporter le mensonge, lui-même mentir ou supporter le mensonge, complice de mensonge, d'assassinat, etc., etc. C'est ça Thibaut Camara, n'est-ce pas? Alors, mais Thibaut Camara, je dis parfois, nous sommes des religieux. Nous sommes religieux, soit musulmans ou chrétiens, mais écoutez, respectons quand même Dieu. Respectons la divinité, respectons Dieu, respectons le Coran, respectons la Bible. C'est très important. Nous disons que Dieu nous a créés, il nous a créés en ajoutant de nous comporter bien. Il faut se comporter bien. Se comporter bien. D'ailleurs, pour moi, je dis souvent, la meilleure religion, c'est se comporter bien. N'est-ce pas? Se comporter bien avec ses semblables. Franchement. N'est-ce pas? Et Dieu a dit cela. Il dit, ceux-là qui ne se comporteraient pas bien, n'est-ce pas? Alors, voilà pourquoi il y a l'au-delà. Ici-bas, Dieu demande de se comporter bien, comportez-vous bien, n'insultez pas, ne frappez pas, ne tuez pas, n'est-ce pas? Alors, respectez-vous, respectez les autres. Alors, si vous ne le faites pas, c'est pourquoi il y a l'au-delà. Et là, l'au-delà, là-bas, il y a un jugement dernier. Alors, ceux-là qui se seraient mal comportés dans ce monde ici-bas, alors, directement à l'enfer. C'est clair. Et ceux-là qui auraient adopté de bons comportements ici, dans ce monde ici-bas, iraient directement donc au paradis. N'est-ce pas? Voilà. Alors, ce que je ne peux pas comprendre, ça, c'est pour essayer de m'adresser à Thibaut Camara. Dieu ne peut pas créer des hommes, n'est-ce pas, en les mettant dans, en ajoutant dans leur destin que l'homme qu'il vient de créer sera assassin, va assassiner, n'est-ce pas? Va être criminel, vous comprenez? Un bagarreur, un voleur. C'est impossible que Dieu crée une personne et en même temps ajoute au destin de cet homme-là, tu vas dans ton destin, peut-être tu auras 50 ans de vie, 60 ans, 70 ans ou 80 ou je sais pas, 100, n'est-ce pas? Et dans ce parcours-là, son destin, j'ai inclus dans ton destin que tu vas assassiner, que tu vas tuer, que tu vas voler, s'il vous plaît. Alors, si c'est le cas, je me demande alors pourquoi Dieu jugerait-il alors les individus après la mort, dans l'au-delà? Pour quelle raison? Soyons intelligents et posons-nous des questions pareilles. N'est-ce pas? Alors, façon de dire, je suis le parcours de mon destin. Écoutez, c'est le discours des paresseux, n'est-ce pas? Des gens, donc comme je le dis, Thibaut Camara tente de rationaliser, c'est-à-dire qu'il est dans un problème très sérieux, donc il rationalise, n'est-ce pas? Une façon de se soulager psychologiquement.
N'est-ce pas? C'est très important, cher Comte-Bien. Alors, donc c'est cela. Alors, mais écoutez, toujours dans l'affaire de destin, écoutez, c'est une personne qui se reproche de quelque chose, qui fuit quand il voit un policier. N'est-ce pas? Quand une personne se reproche de quelque chose, quand elle voit un policier, elle fuit. C'est parce qu'elle se reproche de quelque chose. Mais c'est clair, n'est-ce pas? Une personne qui se reproche de rien, pourquoi fuirait-elle devant un policier? N'est-ce pas? Alors, ça c'est pour dire tout simplement que le destin, d'ailleurs, c'est nous qui faisons notre destin. C'est très clair. Ce voleur qui fuit le policier, n'est-ce pas? Et quand il va fuir dans sa fuite, une fois, là-bas, il se dit, bon, écoutez, bon, qu'est-ce qui m'arrive? Bon, écoutez, c'est Dieu qui a fait que, voilà, je devais passer par cette situation. Pensez-vous que cela est vrai? Ce n'est pas possible. Ce voleur, cette personne qui est voleuse, n'est-ce pas? S'il est voleur, ou cette personne est voleuse, c'est parce que elle-même, cette personne, s'est fabriquée, n'est-ce pas, à être voleur. N'est-ce pas? C'est très clair. Il est voleur, hein? Ce monsieur est voleur, et parce que, tout simplement, il s'est fait voleur. Il s'est fait voleur, il a fait des pensées, dans ses pensées, il s'est conforté dans ses pensées, il est parti pour l'action. Très clairement, cher Comte-Bien. Et d'ailleurs, comme le dit Platon, ce grand philosophe grec de l'Antiquité, qui dit, mais écoutez, le destin, c'est nous qui fabriquons le destin. C'est nous. Quand vous sémez la pensée, d'abord, pour avant toute chose, nous pensons, n'est-ce pas? Nous pensons, n'est-ce pas? Et suit l'action après. Donc, quand vous sémez la pensée, vous récoltez l'action, n'est-ce pas? Alors, quand vous sémez donc la pensée, vous récoltez ce qu'on appelle le comportement. Notre façon de nous comporter vis-à-vis donc de nos semblables. Donc, vous sémez la pensée, vous récoltez le comportement. Quand vous sémez le comportement, vous sémez ce qu'on appelle ici le caractère. N'est-ce pas? Et quand vous sémez le caractère, vous récoltez le destin. Parce que le caractère, c'est quelque chose de difficile à changer. Le comportement, on peut changer encore. On peut changer. Tout est possible. Mais quand vous perdurez dedans, et finalement, ce comportement qui vous sémez, vous récoltez ce qu'on appelle le caractère. Le caractère, c'est difficile de s'en débarrasser. Très difficile. Et là, c'est votre destin. Thibaut Camara. Thibaut Camara, aujourd'hui, vous êtes dans une situation très difficile, compliquée. Mais écoutez, n'accusez pas Dieu. Dieu n'a jamais associé ce comportement odieux que vous avez actuellement associé à votre destin. Ce n'est pas vrai, Thibaut Camara. Si vous avez dit vous êtes traître, n'est-ce pas? Vous avez trahi votre propre voie. Écoutez, c'est vous qui avez fabriqué ça en vous. Ce n'est pas Dieu. Vous l'avez pensé. Dieu nous a donné la tête pour penser. Vous avez pensé. Vous avez eu telle idée. Vous avez eu, parce que chaque fois que nous pensons, il y a souvent deux idées en face, n'est-ce pas? Il y a une idée, je dirais, bonne, l'autre qui est mauvaise. Disons comme ça. C'est à nous de choisir lorsque nous essayons de penser dans la tête, n'est-ce pas? Et c'est vous qui choisissez. Vous choisissez d'aller voler. Alors, allez-y voler. Mais là, n'oubliez pas que cette pensée-là, vous venez tout de suite de s'aimer une pensée qui peut récolter un comportement. Un comportement qui vous va s'aimer, qui va vous aller récolter un caractère. Un caractère qui vous allez s'aimer pour récolter un destin. Ce destin-là, écoutez, c'est vous, ce n'est pas Dieu. Cher Comte-Bien. Voilà, ça c'était pour Thibaut Camara. Je pense que je me fais comprendre, surtout que Thibaut Camara me suit, cher Comte-Bien. Très bien, le deuxième élément de mon intervention, je vais parler en fait de l'arrivée de Tianguel. Sur le Tianguel, c'est en fait, c'est un élément, c'est un membre de la cellule de communication de l'UFDG. L'UFDG, la première formation politique de l'opposition. Alors, qui dit Tianguel? N'est-ce pas? D'abord là, je pose la question, Tianguel serait-il une nouvelle télécommande politique de Alpha Condé pour détruire l'UFDG? N'est-ce pas? Si vous vous rappelez très bien aussi, vous me suivez, j'en avais posé de telles questions aussi par rapport concernant Baoui également, n'est-ce pas? Alors, comment on appelle ça? Sous les Tianguel, serait-il une autre télécommande politique pour détruire l'UFDG? C'est une question, cher Comte-Bien. C'est très important, oui, il faut poser cette question-là. Je ne préjuge pas. Écoutez, avec le temps, on saura, n'est-ce pas? On saura si Tianguel, effectivement, est une télécommande ou non. Mais écoutez, je crois qu'il faut poser la question. Il faut poser la question parce que, ça c'est très important, l'UFDG est une formation politique, comme l'UFR est une formation politique, tous les partis de l'opposition politique, n'est-ce pas? L'UFDG principalement, c'est une formation politique. Mais je vous dis, une formation politique, alors qu'il faut considérer au-delà même de la personnalité de Sédane Diallo. Mais c'est vrai,
Parce que nous sommes dans une situation politique, nous sommes dans la dictature. Nous sommes dans la dictature, et là, le combat contre la dictature, c'est bien des positionnements, en fait, par-ci, par-là, mais ce sont généralement les formations politiques et qui peuvent jouer un grand rôle. Hein? Les formations politiques, les partis politiques. Je prends l'UFDG, je prends l'UFR. N'est-ce pas? Alors, face à la dictature, nous sommes dans une situation, je dirais, exceptionnelle, extraordinaire. Alors, ne regardons pas les partis politiques en disant, bon, écoutez, c'est un parti communautaire, c'est un parti, ce n'est pas mon parti, écoutez, ça ne m'intéresse pas. Non, ce n'est pas normal, s'il vous plaît. Ce n'est pas normal, ce serait irresponsable. N'est-ce pas? L'UFDG, c'est au-delà de la personnalité de Cédric Diallo. L'UFR, c'est au-delà de la personnalité de Sidi Touré. N'est-ce pas? Il faut se battre. Nous devons combattre la dictature, chers compatriotes guinéens. Combattre la dictature. N'est-ce pas? Très bien, chers compatriotes guinéens. Alors, voilà pourquoi je me dis, n'est-ce pas? Je me dis très clairement que Tshangel qui entre en Guinée, alors nous savons tous également que cet homme-là a été condamné par défaut par le pouvoir dictatorial de Alpha Condé, alors que cet homme, comme je le disais l'autre fois, qu'il rentre de cette façon, de façon extraordinaire, c'est incroyable. Il a été condamné par contumace, s'il vous plaît, par défaut, pour avoir refusé de répondre aux injections également du tribunal guinéen. Ça, c'est déjà un délit, n'est-ce pas? Et accusé de complicité de l'assassinat du jeune Mohamed Koula Diallo. Vous vous rappelez? Mais écoutez, quelles que soient maintenant les situations, mais cet homme ne peut pas rentrer comme ça, vous comprenez, c'est extraordinaire, et qu'il soit reçu même par certaines personnalités du pouvoir dictatorial. Il y a quelque chose, hein? Ça cloche, quelque chose cloche, n'est-ce pas? Je ne préjuge pas, mais quand même ça cloche, nous connaissons Alpha Condé. Nous connaissons Alpha Condé, n'est-ce pas? Très bien. Alors, ça c'est très important, chers compatriotes guinéens. Alors, je dis bien, l'UFD, c'est au-delà de la personnalité de Cédric Diallo, là, je vous le dis. L'UFR, c'est au-delà de la personnalité de, en fait, Sidi Touré. Alors que nous ayons des gens comme Tshangel ou tant d'autres qui, dans le parti de l'UFDG, ont totalement combattu Alpha Condé longtemps, et si proche, donc, du leader Cédric Diallo, et à un moment donné, nous constatons un certain comportement qui serait proche donc du dictateur, on doit s'inquiéter, se poser des questions, chers compatriotes guinéens. C'est inacceptable, on ne peut pas accepter. N'est-ce pas? Que demain ça se confirme, j'espère, j'ose espérer que cela ne se confirme pas, que Tshangel serait là pour effectivement lutter donc du côté d'Alpha Condé contre donc l'opposition. J'ose espérer que ce n'est pas le cas, n'est-ce pas? Mais si c'est le cas, chers compatriotes guinéens, on se lève tous pour bousiller tous les traîtres. Parce que nous sommes maintenant contre la dictature. Et pour que la dictature puisse réussir, tous les traîtres, chers compatriotes guinéens, tous les traîtres, il faut les bousiller. Voilà, chers compatriotes guinéens. Donc c'était sur ce point-là. Alors, pour revenir un peu sur Thibaut Camara, je disais Thibaut Camara qui, répondant à une question, parce que en fait il participait à ce salon, en fait, cette clôture du salon donc des entrepreneurs de Guinée, Thibaut Camara répondait à une question qui lui a été posée, c'est-à-dire que, monsieur le ministre, vous vous retrouvez dans chaque gouvernement, qu'est-ce que ça signifie? Thibaut Camara qui répond, bon, écoutez, voilà, ce côté destin, je viens d'en parler, mais aussi, dans sa réponse, il est parti jusqu'à dire, bon, écoutez, c'est une question de confiance, n'est-ce pas, Alpha Condé a confiance en moi, et tout. Et là, il va jusqu'à dire, écoutez, Alpha Condé, et puis il ajoute, bon, écoutez, il y a trois catégories de personnes, n'est-ce pas? Il y a des personnes qui sont dans l'actualité, n'est-ce pas? Il y a des personnes qui sont dans l'histoire pour toujours, il y a des personnes qui sont dans l'histoire et dans l'actualité. Les personnes qui sont dans l'histoire pour toujours, donc, Thibaut Camara cite Alpha Condé. Très bien. Mais écoutez, ça ne nous étonne pas qu'Alpha Condé soit dans l'histoire pour toujours, n'est-ce pas? Hitler est dans l'histoire pour toujours, mais Hitler, ça rappelle quoi? N'est-ce pas? Le malheur, chers compatriotes guinéens. N'est-ce pas? Nelson Mandela, dans l'histoire pour toujours. Mais Nelson Mandela, ça rappelle quoi? N'est-ce pas? Un idéal extraordinaire. Un idéal de société. Un homme bon, de bon sens. N'est-ce pas? Mais c'est beaucoup. On parlera de tant de dictateurs. Mobutu, par exemple. Quand vous allez au Congo, son nom restera dans l'histoire du Congo pour toujours. Mais ça rappelle quoi? Un homme qui a bousillé, en fait, Congo. Hein? Une mauvaise personne. N'est-ce pas? On parlera de tant, en fait, de dictateurs, etc., etc. Resteront pour toujours dans l'histoire. Mais ça doit rappeler quelque chose. Alors, Alpha Condé, ça ne m'étonne pas qu'Alpha Condé, Thibaut Camara, qu'Alpha Condé reste dans l'histoire pour toujours. Oui, c'est vrai. Mais pour rappeler quoi?
l'homme qui a tout détruit en Guinée, qui a dénaturé, un assassin, un cow-boy, un je peux dire quoi encore pour qualifier cet homme, tous les qualificatifs négatifs. Thibaut Camara, je dis bien, vous n'avez pas, en fait, vous n'avez pas l'alimentation, c'est mieux que vous continuez à rationaliser, je crois que c'est mieux pour vous, rationaliser, ça pourra vous aider à, en fait, supporter tous ces problèmes, disons, psychologiquement, c'est beaucoup mieux, mais essayez de nous convaincre, vous ne pourrez pas, Thibaut Camara, n'est-ce pas? Thibaut Camara, on remarque dans vos discours, dans vos écrits, soit c'est mal, soit c'est tenter de rationaliser, c'est quand même bizarre. Vous n'avez pas d'autre alimentation et ça ne tourne pas parce que vous n'avez pas une formation spécifique. Et même si vous avez une formation spécifique, on a remarqué qu'en Guinée, écoutez, il ne suffit pas d'avoir des diplômes ou être docteur et tant, n'est-ce pas? C'est clair, c'est que les gens sont malhonnêtes. Malhonnêtes. Et là, on veut une Guinée rationnelle demain, une Guinée rationnelle qui sera construite par les Guinéens, n'est-ce pas? Des Guinéens honnêtes, sincères. De toute façon, écoutez, ce sont des maux de la société, c'est-à-dire des comportements négatifs, hein, le menteur, le voleur, etc. Et il y en aura toujours, comme ça a toujours existé, n'est-ce pas? Mais dans la Guinée rationnelle, vous pouvez voler. Mais quand vous volez, écoutez, on a ici, des éléments seront là, hein, des lois seront là, bien défendues par les juges, pour vous juger selon la loi. Vous pouvez corrompre, mais quand vous êtes pris, et puis vous serez sanctionné comme il le faut. Et contrairement à ce qui se passe aux auditeurs contre le lien. Voilà, c'était Nabil Aïkamara de Public Sénat. Merci pour l'écoute. Bonne journée.